Salut les gens, c'est Lord Fab, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exvius. Cette vidéo fait partie de la série Trial Boss Tutorial et aujourd'hui, on va essayer avec des unités 4 étoiles et quelques TM de faire un boss que pas mal de monde n'arrive pas à faire. J'espère que ça vous aidera. Alors aujourd'hui, on va parler du boss qui s'appelle la Lune Maléfique donc en version EX en anglais c'est The Wicked Moon. Alors euh, les informations sur ce boss simple, il vous coûtera 50 d'énergie, euh, ça se fait en un en un seul round, vous gagnerez 1750 XP de rang euh, si vous gagnez, mais ça on s'en fout. Par contre, vous gagnerez un bâton vraiment sympa qui donne de l'attaque et de la magie je crois que c'est 120 de magie je ne sais plus combien d'attaque glory of evil vraiment bon bâton ensuite si vous complétez la quête la première fois vous ferez 100 lapis et puis 100 lapis supplémentaires si j'ai pas de bêtises euh, si vous invoquez une euh, chimère vous aurez un Trust Moogle 10% si vous n'utilisez pas de ditem vous aurez un staff mastery qui vous donnera 50% de psy quand vous porterez un staff non négligeable donc vraiment à faire et ensuite si vous faites euh, si vous tapez donc ce boss euh, donc, euh, glace. Terre, lumière et dark, donc ténèbres. Vous aurez un skill qui s'appelle Crazy Deck, qui est un skill magique qui permet de break en même temps. C'est plutôt pas mal, mais dont celui-là, je dirais pas indispensable. Alors le boss en lui-même, qui est-il est Une sorte de crâne au démarrage il s'appelle Bloody Moon, donc lune maléfique. C'est une race double démon et effet. Euh, donc attention, là, vous savez que quand c'est une race double, les killers s'appliquent à moitié. Donc si ça, si vous avez par exemple un killer 50%. 50% de dommages pardon, euh, démon. Alors, ce qui va se passer, c'est que, euh, en fait, il s'appliquera que sur la partie démon. Et comme il a deux races, en fait, ça fera un plus 25% au lieu plus 50. Donc, attention. 6 millions d'HP, level 99. Donc, pas mal d'HP, 200 000 MP. Au niveau attaque et magie, vous voyez qu'il fait aussi mal en attaque qu'en magie, quasiment. Cependant, là, vous pouvez voir qu'il a une défense de 999. Donc, oubliez de le taper avec du physique et une psy donc spr de 150 donc voilà bah finalement c'est juste pour dire qu'on va le taper avec bah, de la magie résistance élémentaire bah il n'en a pas c'est plutôt intéressant ensuite résistance au break de status donc bah, c'est nul hein. donc c'est à dire qu'on peut rien lui appliquer donc c'est dommage mais c'est comme ça euh, autre résistance, euh, donc il est immunisé à la gravité et à la mort. Ensuite, il est immunisé aux breaks d'attaque de défense de magie et de SPR. Euh, et for forcément, bah, en fait, vu qu'il a 989 de défense, il est immunisé euh, aux attaques physiques. Voilà. Alors, euh, dans un premier temps, on va parler euh, des équipements, de l'équipe, euh, des skills et des statistiques. Alors. Euh, ça sera un replay qui va vous permettre de faire pause quand on veut pour euh, que je puisse vous montrer, euh, donc, euh, ce qu'on va faire. Donc, comme je l'ai dit, chimère, ne pas utiliser d'objets et infliger des dégâts de glace, terre, lumière, ténèbres. On va essayer absolument de tout faire pour, euh, pour vous faire plaisir. Alors, premièrement, déjà, je vais prendre Grimlord Sakura en ami, très important, avec de grosses stats. Ensuite, euh, on va regarder un petit peu mes unités. Rosa dans un premier temps, euh, avec objectif, en fait, pour Rosa, ça va être de faire du heal et du regen MP. Mais euh, vous allez voir que toutes les unités, il faut qu'elles aient plus de 5000 PV et plus de 400 de psy. Donc pour Rosa, c'est le cas. Ensuite, pour Warrior Flight, bon, bah forcément c'est le cas aussi, hein, beaucoup plus même. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, sur Soleil, 6600 et 513 de psy. Et sur même l'attaquant, donc H j'ai euh, 5000 pv et euh, 300 et quelques de, de psy euh, et sur rico 6600 pv et 379 de psy voilà ni plus ni moins euh, je vous ai pas montré euh, forcément mon équipement les seules choses qu'il y a à noter sur mon équipement c'est que j'ai mis le donc des équipements pour atteindre effectivement 5000 de psy de PV et 400 de psy minimum sur tout le monde. Donc, à vous de vous équiper de la meilleure façon pour arriver à ce niveau-là. Cependant, sur les équipements qui sont, j'allais dire, indispensables, j'ai mis sur elle le bâton de Sheratan. Donc, du coup, on pourra dual cast ses soins. Euh, voilà. Ensuite, j'ai mis le Genji Glove, le Genji Shield, pardon, qui est un bouclier qui protège de la mort. Euh, sur lui, sur Wire of Light, et j'ai mis le, la ceinture de sécurité qui est une, un accessoire qui a le même skill, qui protège de la mort. Euh, donc voilà. Donc en fait, ces deux accessoires, le bouclier donc le Genji Shield et la ceinture de sécurité, vous pouvez les trouver au Fat Chocobo. Je vous ai mis une vidéo dans les trucs et astuces euh, où en fait vous pouvez trouver euh, tous les éléments où est-ce qu'ils sont cachés les Fat Chocobo, combien de, co de quartz il vous faut pour obtenir ces items. Mais c'est indispensable d'avoir ces, ces deux items. Donc euh, la ceinture de sécurité et le Genji Shield, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, Lumi, dans un dernier temps, alors je, si je ne dis pas de bêtises, je, on a regardé, alors là, là pardon, excusez-moi, on va regarder les chimères rapidement. Très important d'utiliser les mêmes chimères que moi. Donc, il va vous falloir mettre Bahamut sur Rosa, il va vous falloir mettre Golem sur euh, le tank Fire of Light, il va vous falloir mettre euh, Lakshmi euh, sur Soleil, ensuite Diablo sur euh, notre ami euh, ici, Ash, et éventuellement, Shiva, ça c'est pas forcément nécessaire, on pourra mettre ce qu'on veut. Et là, vous voyez que mon ami Lumi, donc Grimlord Sakura, euh, a, a aussi bah, Mute. Mais euh, bon, c'est voilà, juste pour les stats, c'est pas mal. Vous voyez que là, il y a des très gros stats, 5800 PV, et donc plus de 400 psy, avec 1100 de magie, ça va être très très bien pour, pour la suite. Euh, alors. Voilà, en gros, à retenir hein, donc euh, les items très importants et les statistiques minimum à, à avoir. Si vous ne savez pas où obtenir, comme je l'ai dit, euh, le Genji Shield pour vous protéger de mort sur of Flight et euh, la ceinture de sécurité sur euh, Riku, euh, reportez-vous euh, euh, au wiki ou etc. Vous trouverez au Fat Chocobo. Euh, C'est très facile à trouver. En plus, euh, je ne crois pas qu'il coûte très très cher. Ensuite, alors, ce boss. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une lune au démarrage. Euh, sa première phase, en fait, il va faire pop euh, des ads. Il y en a trois. Une fois qu'on les aura tués, il y en aura trois autres. Et une fois qu'on les aura tués, il y en aura deux autres. Cette première phase va constituer à, à consti... pardon, consister. Je vais y arriver à euh, tuer ni plus ni moins l'ensemble des ads. Alors, pour ce faire, euh, on va faire des, des cycles en trois tours, comme on a l'habitude, et chaque personnage va avoir son rôle dans le cycle. C'est-à-dire que, en fait, sur trois tours, chaque personnage va avoir euh, un cycle, et en fait, une fois qu'on aura fait le tour 1, 2, 3, le tour 4, 5, 6, en fait, correspondra au tour 1, 2 et 3. Donc, tour 1, tour 4, euh, tour 7, etc. Ce seront toujours les mêmes tours. Le tour 2, euh sera le même tour que le tour 5 le tour 3 sera le même tour que le tour 6 etc 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 j'espère que vous avez compris le principe alors on commence tout de suite alors euh, alors pardon avant avant de démarrer je vais juste vous dire une chose c'est que sur ce boss euh, en fait le troisième tour que je vais exécuter euh, va être un petit peu différent du troisième tour classique parce que euh, je vais euh, vous euh, montrer comment faire la quête pour faire les, les, les dg donc tour 1 on commence Rosa Bénédiction pour Regen PVPM. Vous remarquez que son bénédiction est plus 2. Important, il faudra vous le mettre plus 2. Ici, on va breaker les apôtres euh, en attaque magie. Pourquoi Parce qu'avec lui, euh, avec Warrior of Light, on peut breaker nos, les trois petits qui font mal quand même. Ensuite, avec Soleil, on va faire la danse pour la psy. Voilà. Vous remarquez que toutes les danses de Soleil sont plus 2, très important aussi. Ensuite, avec Riku, on va faire alchimie. Et avec H et euh, Lumi, on fera Ir céleste et obscurité de façon à chain. Voilà, et là vous pourrez voir que on va faire à peu près 10% de DG sur les apôtres, ce qui est très bien. Voilà. Donc là, euh, on espère qu'il tue personne. Si jamais il tue quelqu'un par malchance, euh, j'ai envie de vous dire recommencer. Ce pas la peine de nous prendre la tête. On va pas se mettre dans un corner tout de suite. Ensuite, tour 2. Alors, avec Rosa, en fait, on pourra soit faire du soin, parce que vous voyez qu'on peut, on peut faire soin max, donc là, on fait comme on veut, là, je peux le faire deux fois ou une fois, ça va dépendre de l'état de ma team, donc là, je vais heal deux fois avec soin max, grâce au skill de bâton de Sheratan, j'ai pu doubler, avec euh, le Barrier of Light, la lumière nous, nous protège, et ça va nous permettre de faire un cover, ensuite, ici, avec Soleil, euh, on fait la, une deuxième danse, euh, normalement, euh, de défense, voilà, avec Riku on fait euh, l'anti-élément X qui va nous permettre de mitiger les dégâts et de limiter les, les dégâts élémentaires voilà, et ensuite toujours avec euh, nos deux amis Obscurité et Heer céleste pour euh, Shane euh, voilà, donc euh, là vous allez voir qu'on euh, va continuer à faire à peu près euh, 9% de dégâts, c'est très bien le troisième tour arrive et ce troisième tour n'est pas le même que les autres tours. C'est-à-dire que sur ce troisième tour-là, je vais uniquement réaliser la quête des dégâts de terre, de glace, de ténèbres et de lumière. Alors, pour ce faire, donc, on a dit dégâts de glace, terre, lumière, ténèbres. Alors, dégâts de glace avec Riku. Donc, on va lui mettre glace, ni plus ni moins. Voilà, facile. Ensuite, deuxième dégât. Donc là, dégât de terre. Et il nous manque dégâts de ténèbres et dégâts de lumière. Donc, dégâts de lumière, on va le faire avec Sidéral, grâce à Rosa. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est le bâton de Sheratan aussi qui me donne ce skill. Donc, ça nous permet hein, de, de, de faire ce dégât de lumière. Et ensuite, comme on a Diablo sur H, la chimère, on va pouvoir euh, tranquillement euh, faire euh, avec Toxine Plus les dégâts de ténèbres sur tous les ennemis. Voilà. Donc là, en fait, on a fait la quête. Et en fait, à ce tour-là, comme on n'a pas de heal, euh, là, effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de. Alors ouais, effectivement, comme on n'a pas de heal à ce tour-là avec soleil, on va simplement euh, utiliser notre chimère et comme ça, on va faire la quête en même temps. Voilà, comme ça, ça nous permet de faire la... appeler une chimère. Vous voyez ici. Donc là, à ce tour-là, comme les autres ont été utilisés, je vais utiliser la chemie. <coughs> Pardon, j'utilise la chemie, parce que grâce à la chemie, en fait, je vais pouvoir euh, récupérer ma vie et les autres euh, n'auront pas besoin de heal. parce que je ne sais pas peut-être que votre team à vous sera dans un plus mauvais état et là en fait euh, eh ben, on va doubler Seigneur Obscur et on va faire obscurité x 2. Pourquoi on ne fait pas obscurité x 2 sur les autres tours simplement parce que en fait on va consommer trop de mana sur euh, Grimlord Sakura et ce qui n'est pas très utile parce que euh, en plus on chaine moins bien avec H. Voilà. Donc là tour 4, on arrive dans le vif du sujet où en fait on va faire les trois prochains tours seront vraiment des tours représentatifs. Donc on recommence un tour, donc tour 4 équivalent au tour 1. Alors, tac, je passe au... Voilà, donc vous voyez, tour 4. Hop. Donc là, tour 4, euh, avec Rosa, donc Régénération, Bénédiction plus 2, pardon. Voilà, donc Régène de PV, PM. N'oubliez pas que sur Rosa, on peut faire la limite aussi. Hein. Efface Arme, donc on débuffe attaque magie. Et ensuite, avec Soleil, en fait, on fait une danse sur 2. Tour 1, bah, si vous avez fait la danse offensive, vous ferez la danse défensive. Donc là, ça donne plus 120% de toutes les stats. Voilà. Tour 1, avec elle, Riku, donc c'est alchimie, toujours alchimie. Et euh, ici, tour 1, euh, on fait Ircéleste Céleste et euh, Obscurité. Une seule fois, et on chain. Et là, donc 73%, on devrait euh, monter à. Voilà, 62%, ça fait 11% de dommages, c'est très bien. Et vous avez vu qu'enfin, le lot de Rosa a remis des, euh, de la vie, ce qui est très bien, parce que du coup, ça a permis de à compléter le, le heal de H. Voilà. Alors, tour 2, effectivement, avec Rosa, bah, vous allez choisir, est-ce que vous allez heal avec le soin max, une fois, deux fois, est-ce que vous allez mettre une... Donc là, je vais heal une fois, est-ce que vous allez mettre une limite Car ça la limite, vous allez remettre aussi des PVPM. Ensuite, on fait la lumière nous protège pour faire un cover sur deuxième tour grâce à Wire of Light, voilà. Ensuite, elle, bah, une... donc là, elle fera sa danse vivifiante, hein, puisque une fois sur deux, hein, les danses, voilà. Ensuite, elle, tour 2, anti-élément X, voilà. Et avec H et Lumi, enfin... Euh, Grimlord Sakura, je vais y arriver, on va continuer, euh, no chaînes no tranquille, et vous voyez qu'au niveau de la mana, ça part, mais ça remonte quand même pas mal, hein c'est-à-dire que, une bonne remontée de mana. Ensuite, euh, tour 3, bah là sur Rosa, euh, je peux effectivement soit il, soit me protéger, donc ça sera vraiment situationnel, à vous de voir. Là, en l'occurrence, euh, je suis en très bonne posture, j'ai de la mana, euh, j'aurais euh, pu lancer ma, ma TM, j'aurais pu marquer euh, ma limite, mais du coup, je vais me protéger. Voilà. Ensuite, Guerre de la Lumière, bah, c'est pareil, troisième tour, je peux me protéger, donc je vais le faire. Soleil, un tour sur deux, donc euh, là, euh, on va faire la danse d'attaque et de magie ce coup-là. Riku, bah, troisième tour, donc euh, c'est. Euh, c'est 6ème, mais c'est équivalent au 3 c'est la Limit Burst qui est l'Auréole sur tout le monde, donc Autores sur tout le monde. Et on continue sur Grimlord et H à faire notre, notre chain. Et puis on va faire ça. Et puis on va recommencer. On va recommencer, on va recommencer, on va recommencer, on va recommencer. On va recommencer. Et vous allez voir que... Une fois que ces trois-là, donc la foudre, les apôtres de foudre, de glace, etc., seront morts, euh, les deux, les trois prochains vont arriver. On les tuera de la même façon, on continuera, on continuera, on continuera. Et ensuite, on va arriver donc euh, à, un, à un autre endroit où euh, bah, euh, vous voyez que là, effectivement, euh, euh, je suis euh, sur les tour 12, j'arrive en fait sur les deux apôtres. des tours 1, enfin, tour 4, j'avais ces trois apôtres là. Ensuite, j'ai continué à jouer. Je vais pas vous montrer l'ensemble de la vidéo parce que ça sert absolument rien. Je les ai tués et je suis arrivé donc sur ces trois autres là. Euh, là ici, euh, je vais vous montrer, euh, si mes souvenirs sont bons, une technique pour accélérer les dégâts au troisième tour. Donc là je suis au tour 12 qui correspond au troisième tour. Normalement j'aurais dû, entre guillemets, euh, avec Rosa, euh, me protéger. Sauf que là, bah, je suis en très bonne posture. Alors, euh, ce que je vais faire, c'est que. Donc, Firefly, troisième tour, elle se protège. Elle, elle fait euh, Soleil un tour sur deux. Là, elle est à son tour d'attaque. Sur Iku elle va mettre sa limite burst. Et sur H et, euh, et la Miss, on fait euh, comme d'habitude. Et là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser euh, Rosa en finisher grâce à la. Vous voyez que je lance Bahamut. Je vais appuyer sur l'écran paf, et là tout de suite, j'appuie et je chaîne avec les deux. Et en fait, au lieu de faire 10 je vais faire 20 de dommages. C'est énorme. C'est énorme. Donc j'espère que vous avez compris. Je lance en premier. On peut on peut refaire, hein. on peut refaire pour vous montrer. Hop. Je vais, euh, je vais recommencer. Donc tac, bien que vous pourriez, je vais euh, donc je prépare mes unités, je lance Rosa, enfin je lance donc Bahamut avec Rosa et ensuite pendant l'animation, je vais cliquer sur l'écran de façon à cancel l'animation et ensuite poum j'appuie sur les deux pour qu'elle chain au moment où, je, où au plus vite possible et du coup bah en fait je vais faire 20% de dommages sur les apôtres au lieu de 10% si je suis bon je peux même faire jusqu'à 30% donc je vous conseille fortement d'utiliser cette technique de temps en temps quand vous pouvez pour accélérer votre dps et vous voyez que tout de suite j'ai quasiment l'ensemble de ma barre qui est déjà full donc c'est vraiment pas mal alors ensuite on continue nos tours on a le tour 12, etc une fois qu'on va qu'on va tuer ces trois apôtres on va se retrouver sur ces deux là donc on va continuer à les taper, on va continuer à les taper, on va continuer à les taper. Et ensuite, on va se retrouver, ben là moi j'en suis au tour 22, mais bon, vous, vous allez sûrement arriver euh, euh, pas forcément au même tour que moi. Donc 22, je vais compter. Euh, 22, qu'est-ce que je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, ça correspond à mon premier tour. Donc, donc 22, ben je vais faire comme si euh, c'était mon premier tour. Alors, sur Rosa, allons-y. Effectivement, comme c'est une vidéo, je ne me souviens plus exactement les timings, mais on va commencer. Donc, Gaël la lumière, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai briqué, mais genre, effectivement. Si, tour 1, pardon, break, hein, normal. Euh, ensuite, euh, tour, ici, euh, la danse, une sur l'autre. Ensuite, l'alchimie, tour 1, avec Riku, normal. Avec un H et euh, Lumi, on va chainer. Grimlord, Sakura, je vais y arriver. Et en fait, là, je n'ai pas mis tout de suite euh, Rosa, parce que je voulais voir euh, ce qui allait se passer. Donc là, vous voyez que euh, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas si... Euh, là, j'ai quasiment toute ma vie, mais je vais mettre Régénération quand même, pour voilà parce que ça va me, ça va me compléter. Donc là, ma Lune de sang, elle me fait la mort. Hop, je, je vous remonte ce qui se passe. La Lune... En question là, attendez, vous allez voir, une fois que j'ai finalisé mon tour, elle va me faire, voilà, vous voyez, une grosse faux qui arrive, et une grosse tête de mort aussi, euh, qui était juste là, et en fait, vous voyez que sur Warrior of Light, qui est équipé du Genji Shield, et sur Riku, de la ceinture de sécurité, c'est cris résistent, donc tout le monde va mourir, on, il nous a appliqué la mort sur tout le monde. Cependant, Riku et Guerri de la Lumière vont pas mourir. Donc là, en fait, tout de suite, euh, il va se transformer en tête de en tête de cul, non pas en tête de cul, mais il va se transformer en en truc. Vous voyez qu'en fait, il a fait mort. Qu Ensuite, il a débuff toute, toute ma team à auto-raise parce qu'effectivement, on a bien respecté les trois tours et on était encore buff avec l'auréole de Riku, c'est-à-dire sa limite burst. Donc, du coup, en fait, on a, tout le monde a raise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il va tuer votre team. C'est possible que si vous avez moins de stats, l'ensemble de votre team soit morte. Là, ce qu'il faut faire, c'est que vous continuez entre guillemets, les tours pour revenir dans votre cycle. Au plus vite de façon à ce que vous puissiez euh, eh ben, recommencer à faire tour 1 2 3 tour 1 2 3 donc il faudra un raise etc de façon à revenir euh, normalement vous avez quelques tours pour y arriver donc là on a raise personne n'est mort c'est magnifique donc là bah, vous voyez que je suis au tour 2 et là au tour 2 bah, il s'est transformé en tour 23 c'est égal au tour 2 il s'est transformé en crâne donc ça c'est la phase 2 L'objectif de la phase 2, c'est de descendre la lune de sang euh, le plus bas possible. Euh, et vous allez voir qu'en même temps, il va faire pop ces trucs. Et les cycles sont un petit peu différents. Donc tour 2, bah, là, on va faire soin max. Soin max. Voilà. <laughs> voilà, pour remettre le plus de vie possible. Guerre de la lumière. Et eh ben, il va faire, euh, comme d'habitude, le cover. Là... Les danses de soleil, une sur deux, comme tout à l'heure. Riku, tour 2, normalement, anti-élément X. Voilà, très bien. Et avec H <coughs> et avec euh, Grimlord Sakura, on fait le chain pour générer les cristaux, mais surtout euh, pour reprendre de la vie. Vous voyez que Rosa va remonter. Là, j'arrive au tour 3. Donc euh, comme d'habitude, j'ai quelques tours où en fait euh, il va euh, il va être tout seul et ça c'est plutôt pratique, donc il faut en profiter pour se mettre en bonne condition pour reprendre les tours. Donc tour 3, je continue, comme tout à l'heure. Donc Rosa, j'ai mis la régène de PV là, je peux, hein, pas de soucis. Hein. Ensuite protection sur de la lumière et soleil un tour sur deux. Nupe, tranquille, voilà. Euh, Rico donc la limite burst hop et H et Lumi. On va mettre le chain et vous voyez que on le descend de 95 à 90%. Donc on le descend de 5%. Ce qui est bien là aussi c'est vous pouvez c'est réutiliser la technique avec le Bahamut hein, pour euh, effectivement l'utiliser en finisher. Vous voyez que là, sur ce tour-là, il vient de me faire une sorte de... Tous les trois tours, en fait, il va faire ça. Il va faire cette merde-là, ces... ces météores. Donc là, ce que je fais, c'est que là, 25, c'est mon premier tour. En fait, je vais reprendre le premier tour. Donc premier tour, on a dit que normalement, on fait euh, le break. D'accord Bon. Sauf que là, on n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas d'apôtre. Donc on va changer un petit peu. On va faire la protection. La lumière nous protège à la place en premier. Alors, là, une danse sur deux, toujours pareil, ça c'est la défense, la danse de défense. Riku, premier tour, donc on fait l'alchimie, pas de souci. Ensuite, là ici, on va faire un petit peu différent. Au premier tour, souvenez-vous bien, on va faire la faveur éternelle. À quoi ça va nous servir C'est augmenter la résistance à la paralysie, confusion, mais surtout à l'attaque, def, magie, psy, debuff. Donc je fais ce skill-là, hop. Et ça va me protéger toute ma team. Génial. Vous allez voir. hop, Et ici, on le voit. Augmente la résistance. Réduction d'attaque, death, psy, magie. Là, on fait la R céleste. Toujours avec H. Hop. Voilà. Et là, avec Rosa, bah, je vais regarder euh, ce qui me manque. Hein. Le tour d'avant, j'avais fait euh, donc bénédiction. Très bien. Allez, go, bénédiction. Vous voyez que. Hop. Donc je, je, là, il fait pas un apôtre. Donc en fait la grosse différence par rapport au, au, au tour d'après, enfin au, à la première phase, c'est que Grimlord Sazura, lors du premier tour, elle fait son, son skill pour protéger la team contre le debuff. Ça c'est très important, surtout n'oubliez pas. Allez, ah, tour 26, donc ça correspond au tour 2. Donc là, euh, avec euh, Rosa, euh, qu'est-ce qu'on va faire Un peu de heal. Voilà. Hop Le break. On n'a pas fait le tour d'avant, on le fait avec Warrior of Light. Une danse sur deux, hein. donc là la danse d'attaque, là l'anti-élément X sur Rico, pour toujours être bien, et sur Lash, et ensuite euh, Grimlord, là on chaine. Donc tour 2 et tour 3, on fera notre chaine. Vous voyez qu'on enlève à la ligne de sang à peu près 5% à chaque fois, c'est plutôt pas mal. C'est possible que votre hache meure, mais comme effectivement on sera sous Auréal de Rico, normalement ça devrait le faire. Là sur Rosa, à chaque fois, en fait, il faudra plutôt la faire en dernier, le skill de Rosa, parce que bah là en l'occurrence, je vais faire double magie et double soin max, parce que mon, ma hache est tellement basse qu'il faut la remonter. Gare de la lumière, troisième tour, bah là, hop. Là, une danse sur deux. Riku, bah là on va faire euh, l'Oréal, hein, parce qu'on a le troisième tour, et ensuite on va continuer à Chain, ir céleste et avec euh, Lumi, Obscurité euh, pour Chain. Et voilà. Et en fait, euh, vous allez voir que bah, concrètement, <coughs> on va tuer les apôtres au fur et à mesure, et puis euh, les tours vont s'enchaîner. Donc là, le troisième tour est arrivé, mais c'est pas grave parce que je, je suis... Euh, je, je repars au premier tour et puis euh, voilà, je, je fais mon. Euh, exactement comme. On, je, je répète, hein, euh, Sur le premier tour, euh, en fait, on soleil toujours une danse sur deux. Riku, donc premier tour euh, alchimie, deuxième tour anti-élément X, troisième tour salimine burst. Euh, H, les trois tours, c'est ir céleste tout le temps. Uh, Grimlord Satura, le premier tour c'est donc uh, faveur éternelle qui nous permet de protéger le break d'attaque, de défense, de magie et de psy, et uh, tour 2 et 3, elle va chain avec H. ensuite guérir de la lumière uh, là, bah lui, vous verrez en fait uh, tour 1 normalement, bah c'est le, le, le break hein, uh, si vous avez uh, un apôtre uh, d'apôtre pas d'apôtre à break bah écoutez vous pouvez faire autre chose deuxième tour c'est euh, la lumière nous protège pour euh, faire bien du cover sur euh, les skills physiques que va vous faire euh, ce boss et ensuite euh, sur rosa bah, c'est situationnel euh, donc euh, euh, tour 1 normalement c'est régénération euh, bénédiction pvpm ensuite vous pouvez faire sa limite burst et ensuite n'oubliez pas de double soin max si jamais vous êtes en galère voilà, donc là, en fait, je vais tuer euh, les apôtres, euh, et en fait, l'objectif euh, c'est d'arriver euh, jusqu'à euh, un moment où euh, bah, normalement, si vous n'avez pas de chance, comme moi, il va y arriver à un moment où, euh, pendant que vous essayez de tuer les apôtres et, et de diminuer la ligne de sang, où il va peut-être vous gicler quelqu'un euh, parce que ça fait partie de ses skills. Euh, J'ai oublié de vous dire qu'il y avait des thresholds, c'est-à-dire des phases à 80, 60, 40 et 20%. Honnêtement, si vous suivez mes conseils, le tour 1, 2, 3, tour 1, 2, 3, tour 1, 2, 3, vous débuffez bien, enfin euh, vous, euh, vous êtes bien prêt avec, euh, avec la faveur éternelle, etc. Et que chaque, vous avez bien suivi le tour 1, 2, 3, 1, 2, 3, en fait on ne les sent même pas passer, donc ça va bien. Euh, donc là j'ai mis un tour, donc tour 37. Ne euh, demandez pas, ça correspond à quel tour. On va le voir en fonction de ce que je vais faire sur Riku notamment. Euh, et ben, bah, euh, en fait il m'a viré quelqu'un. Donc euh, si euh, là il m'a viré euh, donc Lord Sakura c'est pas trop grave. Si vous vire Warrior Flight c'est la cata. Et si vous vire Riku euh, c'est pas bien non plus. Donc euh, on va regarder euh, comment je me débrouille. Bah, là je continue mes tours en fait jusqu'à ce qu'elles reviennent. Donc là Là je suis en tour 3 puisque j'ai fait le, la limite burst. Et là en fait je vais attendre euh, donc une danse sur deux sur soleil. Euh, garer de la lumière, euh, il s'est protégé. H elle va faire la IC à l'est. En tour 3. Et là, je pense que euh, je vais soit faire la bénédiction, soit il. Donc là, j'ai fait la bénédiction, voilà. Pour remettre tout le monde full vie. Donc là j'arrive au premier tour et vous verrez qu'en fait c'est pendant deux tours où, euh, où ils virent quelqu'un, si vous vire H ou Grimlord Sakura, c'est parfait, on s'en fout. C'est pas très grave. Donc en fait, euh, voilà, il faudra reprendre vos tours, etc. Euh, donc euh... Donc c'est un peu chiant euh, qu'il enlève, euh, qu enlève quelqu'un, mais euh, c'est pas trop grave. Hein, vous voyez que on, peut, on peut continuer. Et en fait, vous allez euh, continuer à faire vos tours jusqu'à ce que, le, jusqu ce que le, le personnage revienne. Voilà. Et ensuite, on va arriver à un moment donné où euh, la lune de sang sera basse. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous enlevez 5% sur la lune de sang à chaque fois et vous enlevez 10% sur les apôtres. Donc, l'objectif, c'est d'emmener euh, nos chers euh, apôtres et notre chère euh, lune de sang euh, à euh, les apôtres environ 10% et la lune de sang 5%. Donc, il va vous falloir faire du micromanagement. Il y a des tours où, en fait, l'UMI va vous servir pour que vous puissiez, entre guillemets, euh, baisser euh, les apôtres. Parce que euh, si jamais vous tapez tout le monde en même temps, alors, ce qui va se passer, euh, c'est que potentiellement, vous allez euh, vous retrouver avec quelqu'un qui sera mort ici. Et donc, vous n'arriverez pas à tuer euh, tout le monde. Donc, lui, il va repop à 100%. Et il faudra le, le redescendre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire du micromanagement lors des tours grâce à elle. Donc, tour 2, tour 3, elle, elle, peut, elle peut faire autre chose. Euh, donc, euh, c'est... Euh... Alors là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez que mes trois apôtres euh, donc, euh, sont à euh, un certain pourcentage, 20% à la l'une de 100, à 8%. Donc là, qu'est-ce que je vais faire Anti-élément X, donc je suis autour d'eux. Voilà, tac. Ensuite, euh, je vois bien que bah, je veux les baisser de 10%. Donc euh, bah, c'est très bien. Euh, ils sont euh, pile poil dans la, dans la bonne configuration. Donc avec Rosa... Alors pardon, Barrier Flight. Qu'est-ce qu'on va faire avec Barrier flight Hop, on va continuer à break tout le monde. Voilà. Ensuite là, une dans sur deux. Parfait. Avec H et Lumi, donc euh, Grimlord Sakura, on fait le chain. De façon à arriver à hop, moins 10% sur tout le monde. Et la ligne de sang à 3%. Donc 3%, 3 sur une 200 et 6% sur tout le monde. Là, je fais la bénédiction et voilà. Tout va bien. Et donc là, j'arrive à mon tour 3. Euh, ce que je vous dis, c'est que c'est ça le plus difficile. C'est effectivement. Si par exemple, vous avez lui. Euh, lui et lui qui sont au, au, bon, au bon, chiffre, c'est-à-dire que pour tuer tout, il faut, en fait, il va falloir tuer tout le monde en même temps. Donc, si lui a moins de 50%, c'est bon. Si lui a moins de 10%, c'est bon. Lui a moins de 10%, c'est bon. Si lui a 20%, eh ben il va falloir faire du micro-management. Il va falloir que Lumi tape. et Pendant un tour, c'est elle qui va taper. Mais attention, vous ne pourrez pas taper indéfiniment euh, sans générer de cristaux, etc. Donc, il vous faudra être assez précis. Moi, je vous conseille de toujours tuer tout le monde en même temps. Euh, et de faire attention à bien dépop les mecs euh, en, en, ensemble. C'est-à-dire que pendant, juste avant d'arriver là, essayez de, si j'en ai un qui est pas mort euh, et que les autres sont déjà réapparus, je dis une bêtise, euh, descendez pas les autres de 10% et euh, celui-là euh, euh, qui réapparaît juste après, ça vous fait 10% d'écart et c'est pas bon. Donc là, sur ce tour-là qui va arriver, euh, donc bah, qu'est-ce que je vais faire Il me reste 3% de l'une de alors là, c'est le troisième tour, donc Rico, elle va nous faire sa barrière ultime G, donc euh, voilà, pas de soucis, hein. elle va pouvoir euh, faire l'auréole, on ne sait jamais. Ensuite, Warrior of Light, qu'est-ce qu'on va faire avec lui C'est le dernier tour, donc euh, on va protéger tout le monde, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Euh, on va quand même utiliser Soleil et puis euh, ses danses, toujours une danse sur deux, comme tout à l'heure, avec Rosa, on met mute. C'est pour ça. Hein. Euh, et ensuite, on fait le chain avec Lumi et avec euh, H. Donc, je vais bien vérifier que je vais pouvoir terminer la quête. A chimère, c'est fait. Ne pas utiliser l'objet, c'est fait. Des glaces, terre, lumière, télèbres, c'est fait aussi dès le départ. Donc là, je vais lancer Rosa, donc avec Bahamut. Je vais attendre la fin de l'animation. Et au moment où mes deux pour un personnages seront cliquables, je vais essayer de les chainer le plus vite possible pour faire mal normalement si je fais ça bien et aussi vous avez des macros euh, en fait vous avez encore plus de marge hop vous voyez j'appuie hop et là du coup tout le monde va mourir voilà et là on aura tué on aura bien tué notre notre lune de sang je vous dis, hein, le plus compliqué ici, euh, c'est vraiment la phase du micromanagement à la fin. Mais si vous gérez de bien tuer et de bien descendre les trois apôtres euh, en phase finale en même temps, normalement vous n'avez pas de problème. 3500 guilds, euh, 230 000 euh, unités d'expérience, 1150 expériences de rang. Et vous voyez que même avec une unité 5 étoiles, ça passe. Donc euh, voilà. Euh... Je vais en finir pour cette vidéo. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je reste à votre disposition. Euh, et puis, euh, surtout... Euh vous pouvez soutenir ma chaîne YouTube en vous abonnant à la chaîne. Hein, dans un premier temps, vous avez le petit logo qui devrait apparaître si je sais encore faire. C'est pas sûr. Vous pouvez partager ma vidéo, c'est sympa. Vous pouvez lâcher un commentaire, c'est sympa. Vous pouvez faire un don pour des tirages en vidéo. Et vous pouvez utiliser Amazon aussi. Voilà, voilà. Euh, alors pour faire les dons, c'est juste là. Dans, il y a un truc sur PayPal, etc. Ou, bref on S'en fout, vous n'avez pas envie de donner, donnez pas. Au pire, je fais ça pour le plaisir. Euh, J'avais dit que quand j'atteindrais 200 euros de dons, je ferai des poules. Euh, j'ai eu un don et basta quoi. Donc, apparemment, ça marche pas, mais bon, ça marche mieux de faire du Twitch. Mais j'ai pas le temps. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Enfin, dites-moi si ça vous